Eh bien, salut à tous, c'est Loul5800 et on se retrouve pour un deuxième let's play bien bourrin de God of War 3. Alors, qu'est-il arrivé à Kratos après sa chute à la fin du premier épisode? Vous le saurez en regardant. Fleuve des morts. Les portes de l'Hadès ne m'ont jamais retenu. La mort ne peut pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Athéna? Tu m'as manqué, Spartiate. Grâce à mon sacrifice pour sauver Zeus, j'ai accédé à une existence supérieure. Tu sembles encore être une Olympienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe. Peut-être, mais souviens-toi, c'est ta lame qui m'a donné la mort. Ma fronde était destinée à Zeus. Trêve de bavardage. En ce moment, la guerre pour l'Olympe fait rage, et l'humanité souffre. Laisse-les souffrir. La mort de Zeus, c'est tout ce qui m'importe. Zeus ne tombera pas aussi facilement qu'Arès. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir, la flamme de l'Olympe. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir? Que nous vaut ce changement? Toutes ces vérités, je les ignorerai. Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. N'oublie pas, tant que Zeus règnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. L'âme de l'exil, ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe. Ok. Je prends. Là, il y a un petit livre que j'ai pas vu. Enfer, ici s'achève le grand périple que chacun doit entreprendre et dont on ne revient jamais. La statue d'Hadès, quoi. Oh. Alors voyons voir ces nouvelles armes. Œil de Gorgone, vous avez obtenu un œil. Ramassez-en deux de plus pour augmenter votre jauge de santé.
Excellent, quoi, les artefacts et tout. Seuls ceux qui possèdent l'âme véritable d'un dieu peuvent passer. Portail d'Hyperion. Ok. Nouvelle sève déjà? Des coffres. La musique, la bande son, elle est magique. J'ai encore me taper des droits d'auteur au taquet, moi. Le décor. Ça me rappelle un jeu que j'avais adoré aussi, c'était sur PS3 d'ailleurs, c'était Dante Inferno. Pareil, un beat'em all dans le même genre, mais basé sur la Commedia dell'arte. Et vraiment très très bon jeu, j'avais adoré, il était glauque au niveau du bestiaire, mais tellement bon. Je savais que tu reviendrais, Spartiate. Je t'ai manqué. Armée de Sparte, faites venir une phalange de boucliers et de lances qui repousseront vos ennemis. Appuyez sur R2 pour faire venir une phalange de lances et de boucliers. Utilisez-les pour appeler l'esprit de tes frères. Le chemin est recouvert de ronces, il est impossible de passer maintenant. T'as Kodak, mon gars. Oh mais excellent. Thank you.
Oh merde. Merde, putain de cam! Oh, oh la vache! Oui, oui, ok, ok. De la gorgone là, magique. Oh, le bestiaire, il est excellent. Ouais. Save juste ici, impossible d'y aller. Toi. J'ai assez souffert, Spartiate. Hadès, il m'a condamné à ce supplice éternel. Ma prison de petit bois. Mais maintenant que tu es là, tu peux me libérer. Je n'ai que cet arc à te proposer, je t'en prie, si tu me libères, il est à toi. Oh, je vais te libérer, je vais te libérer. Je le veux, ton arc. Attention, éloigne ces flammes. Éloigne donc ces flammes. Hey, je croyais qu'il voulait que je libère, moi. Tu ne devrais pas jouer avec le feu, Spartiate. J'ai l'habitude de jouer avec le feu, justement. C'est quoi la bestiole qui est là-bas, là? Il dit ça, lui. Je t'en prie, fais plus attention. Pour péter les ronces, faut pas y foutre le feu. Quelque chose là aussi? Non.
qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, après, s'il est sur du petit bois, ouais, je peux comprendre qu'il veuille pas que je foute le feu. Bon, c'est pas ça. Ok. Et pour ça, il faut que j'ouvre la porte. Ok, d'accord, le délire. Ferme ta bouche. Oh, c'était moins une. Vite, 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 vite. Putain. Oh, le Cerber. Pitié, je ne peux pas mourir ainsi. Mais il va se taire, lui, il va me laisser faire mon taf là. J'adore la gueule du Cerber, hein. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Putain, mais ce bouton dans mon dos là. Désolé du coup, hein. Je voulais pas te tuer à la base, moi, je voulais juste ton arc. Un arc redoutable qui appartenait autrefois au dieu Apollon. Tu as remporté l'arc d'Apollon. Ses flèches enflammées dégageront ta lutte. Il y avait moyen de le sauver, le mec, pour avoir son arc, ou... En même temps, je suis Kratos, est-ce que je voulais vraiment le sauver? Ça, c'est autre chose. D'accord, si je reste appuyé, ça y fout le feu. Ok. Et donc là...
putain, comment je fais? Il y a bien une raison là. Voilà, voilà. Ouf. Plume de phénix, vous avez obtenu une plume ramassée en 2 de plus pour augmenter votre jauge de magie. Ok. Et maintenant on peut péter les ronces de l'autre côté. Même à la porte où il y avait Hadès, en fait, on va pouvoir... Aucune pitié, quoi. Toutes les âmes, elles y passent. Corne de Minotaure, ramassez-en 2 de plus pour augmenter le pouvoir de votre objet. Oh, c'est zik quoi. J'adore. Un petit papier, un mot gribouillé par une âme torturée. Cette mélodie ne s'arrêtera jamais. Cette voix chante la souffrance et le deuil. Des sentiments par trop familiers, mais qui n'ont pas encore eu raison de moi. C'est lorsque cette voix chante l'espoir que je ressens une véritable angoisse, une nostalgie de ce que je n'aurai jamais. Et la suite du chemin, c'est par là. Ok. Et là, une save. Alors, autant en IO, j'ai kiffé le côté technique et le fait que ce soit du combat hard. Et l'univers aussi qui m'attire, parce que le jeu a l'air quand même très bon. Là, c'est un coup de cœur que je me tape avec God of War 3. Mais je vais le torcher, ce jeu. Ah bon, on va accéder au menu bonus tout de suite. Voyons voir ça. Amélioration. À l'aide de L1 et R1, déplacez-vous dans les menus bonus. Objets, statuts et mouvements. Ok, appuyez sur X pour activer vos armes et objets à l'aide des orbes rouges. Très bien. Ok. Donc il doit m'en manquer. Je pense qu'il vous faut 4000 orbes pour améliorer votre objet. Arc d'Apollon, il faut 2500 orbes. Eh ben ça serait bon. Après, est-ce qu'il faut pas que j'attende un peu plus tôt pour améliorer les lames de l'exil? Ok, et des compétences à débloquer. Génial. Ok. Non, sélectionne-moi les autres. Ok. Ah, oh, les vieilles merdes. Mais c'est que je prends cher.
Allez, c'est bon, on chope le coup, on chope le coup. Loupé! Ah, vil démon tout pourri! J'étais en train de me demander si c'était pas eux qui les invoquaient, du coup j'ai buté tout le monde. Hein. Couché! T'es bon? Le mec qui est tombé derrière! C'est pas par là apparemment. C'est par là Ah d'accord. De me manger un cadavre, à mon avis la chute serait pas bonne. Ça a pas l'air de faire grand chose. Allez, on continue. Un deuxième œil de gorgone, génial. Vraiment. C'était pas le bon sens. C'est pas plus mal, ça m'a permis de récupérer l'œil de Gorgone. Sinon, comment... Ok. Les décors, mais ils sont magnifiques. Un message est gravé sur la plaque. Quiconque veut être jugé doit auparavant passer les épreuves d'Erebus. Ok, c'est quoi les épreuves d'Erebus? Qu'est-ce qui m'attend? Alimentés par la peur, les égarés du monde d'en haut n'ont nulle part où se réfugier pour échapper à leur péché. Jugement 1, le condamné. Venez à bout des âmes perdues et des sbires qui déterminent leur sort. Ok, une arène, c'est parti. Alors, faut peut-être que je sauve les gens, faut peut-être pas que je tue tout le monde. Ah,
Ah, faut peut-être que je l'ai tué avant, en fait. Mais oui, je vais tous vous tuer. Sinon, vous essayerez de me tuer. Formé par ces mamoisies là. C'est bon? Ah bah cool. Jugement 2, les égarés. Pourquoi les âmes condamnées d'Hadès continuent-elles de chercher leur salut alors qu'elles sont à jamais maudites? Tuez les âmes égarées avant qu'elles ne rejoignent l'armée d'Hadès. Ok. Ouf. Oh, il fait mal lui. Il fait très mal. Je vais crever. Minotaure permet de gagner des orbes de santé. Ah ben on voit. Cool. Jugement 3, l'élu. Pour passer les portes de l'Elysée, il faut être élu. Non, je... il faut davantage que de la persévérance et de la force. Avancez pour subir votre jugement et prouver votre valeur. Détruisez tout. Tout ? Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vilaine ! Allez Kratos, tu peux le faire. Ça me saoulait, elle. Ah, je suis en statue. Ah, je me fais grignoter. Dégage. Allez, à ton tour. Allez, la gorgone.
blague? Ouh, vite! Lui, si je le bute, ça me fera un orbe de santé! Rouste. Allez, jugement 3 à l'élu là, de l'Elysée. Allez, c'est parti. La République, c'est moi. Ça se passe bien, ça se passe bien. Merde, déjà c'est fait. Des grosses merdes maman. Tiens mon gros. Allez, mange de moi de la vie. Ce combat j'ai adoré. Oh puis le bestiaire quoi. La méduse, le minotaure. Par ordre de Zeus et des dieux de l'Olympe, nous sommes les trois juges. Accepte ton ultime jugement mortel. Le roi Éacte t'a trouvé décevant. Le roi Radamante t'a trouvé remarquable. Et c'est à moi, le roi Minos, de prendre la décision ultime. Ton avenir se tapit dans l'ombre. Le royaume de la mort n'est pas encore prêt à t'accueillir. Ta destinée t'attend derrière ses portes. Oh, c'est bon, ça. Je peux pas plonger plus. Une magnifique statue de bronze représentant une jeune fille. Oh.
Ah, on peut pas y aller là. Ça rouvre tout. J'ai un peu de mal. Est-ce qu'il faut péter les trucs bleus? Non. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose justement à activer. On va ouvrir les coffres et on va passer cette porte des étoiles. Hein. Ok. Qu'est-ce que... Faut rien faire avec ça, c'est bizarre, c'est chelou. Et des orbes rouges. Les trois juges, les rois Minos, Eak et Radamante, jugent le cœur de chaque âme pénétrant les enfers. Ne sont acceptées à l'Élysée que les âmes qui en sont dignes. D'accord. Non. Non, il y a quelque chose à faire. Hein. Oh, deux minotaures, rien que ça. Ok. Rentrer dedans, c'est beau ça. Oh, ça leur a fait mal les explosions de jarre là. Normalement, ils sont plus coriaces. Hein. Génial. Non, ça on peut rien y faire. Par là, il n'y a que dalle. Bon, on va continuer. Hein. On va avancer. Ok, un portail. Bizarre ça. Non, mais je sais qui tu es. Tu me connais? Ils avaient dit que tu viendrais. T'amuses, Kratos? Montre-toi, Hadès. Encore une de tes ruses. Comme toujours, Spartiate, tu te trompes sur toute la ligne. Affronte-moi, lâche! Quelle impatience, Kratos. Détends-toi. Le moment viendra bientôt de jouer ensemble.
J'ai peut-être allé voir la porte que j'ai zappée là. Je suis pas allé en me disant que ça serait trop tôt, mais à mon avis, il vaut mieux y aller maintenant. Ah, je peux descendre aussi par le mur là. Ah ben j'ai bien fait de venir, eh. Et une deuxième corne de Minotaure. Un mot gribouillé par une jeune âme. Les feux, les hurlements, j'avais tellement peur. Pourquoi père ne nous a-t-il pas protégés? Les juges pensent que je dois aller à l'Elysée et que j'y serai bien. Ma famille me manque. Ok. Aïe. Merde, j'ai oublié les lianes. Si on peut y aller, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Ok. Donc il y a quelque chose, mais pour l'instant... je sais pas quoi faire avec ça. Alors serais-je digne des trois rois pour accéder à l'Elysée ? Je me suis fait peur là. Là je peux améliorer mon arme un peu. 3900. Non, bientôt l'âme de l'exil, tu seras plus puissante. Oh, ça me plaît pas ça. Si, non, oui. Un mot gribouillé par une âme torturée. C'était ma responsabilité. C'était à moi de l'élever, de lui apprendre à distinguer le bien du mal. Aujourd'hui ceux qui s'en approchent souffrent ou meurent. Son épouse, son enfant, son frère. Et maintenant moi-même. J'ai échoué en tant que mère et en tant qu'être humain. Ses péchés sont les miens. Punissez-moi pour ses fautes et accordez-lui la rédemption. Ah, je dois pouvoir améliorer les lames maintenant. Ce jeu m'épate vraiment, hein. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait sur PS3 à l'époque. Il a très bien vieilli, je trouve aussi. Ouf. Ah ouais, ils sont comme ça, eux. On va améliorer les lames tout de suite. L'âme de l'exil. Génial. Dégâts augmentés. L1 plus carré. Ok, cyclone du chaos dans les airs. Nouveau compteur toison d'or. Crise de l'argot, parade. L1 et appuyé sur carré. Ok, génial. On va tester ça tout de suite. Ouh.
les dégâts. Allez, petite arène. J'ai dit foutre le feu à tout ça, moi. Ok, si j'ai bien compris, là, le coffre, en fait, c'était selon le moment où je l'ouvrais par rapport à la couleur qui me donnait quelque chose de différent. Un mot gribouillé par une âme torturée. Encore! Ah, ces âmes torturées, toujours en train de gendre. Il aurait pu me sauver, il avait ma vie entre ses mains, mais il l'a lâché. Je n'étais peut-être qu'un simple capitaine de bateau, mais je ne méritais pas cela. C'est à lui que je dois mon tourment. J'espère qu'il souffre dans les flammes de l'enfer, comme j'ai souffert. Maudit soit ce fantôme de Sparte! Parle de moi. Ah, esquive. J'ai pas fait exprès. Ça c'est fait. Faudrait-il vite se monter dessus? Ah, de la vie, yes. Mais bon. Ah ouais, d'accord. Comme ça à faire, je pense. Ah bah non, pas forcément, non. Il me saoule. Casse-toi. Aurais-je loupé un truc là?
Bingo. Ah ouais. Excellent. J'ai pas vu venir ça. Fume de phénix, ok. Et rien par là. Et oui, on va s'arrêter ici pour notre exploration des enfers, les amis. Mais je vous promets du lourd dans le prochain Let's Play. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait zizir. Et pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également retrouver les lives de God of War 3 sur Twitch à Loul5100 officiel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Kratos en enfer. C'était Loul5100. Ciao, ciao, ciao. Oh.